Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons reprendre la même pratique que celle proposée il y a 15 jours. Je vais simplement ajouter des petits détails techniques et vous commencerez par la posture assise, donc soit assise comme amie, soit assise sur une chaise, soit les jambes croisées. Et après un temps d'observation du corps, du souffle et de votre état intérieur, vous ferez Anuloma Ujjayi sur 12 respirations. Donc, je vous rappelle Anuloma Ujjayi. Vous prenez la main droite, vous fermez l'index et le majeur et on utilise le pouce et l'annulaire comme une pince pour pincer le nez de chaque côté. L'inspiration se fera toujours avec les deux narines et l'ujjayi. L'ujjayi, c'est la régulation du souffle par la gorge. Et quand vous expirez, vous bouchez complètement la narine droite, vous expirez par la narine gauche à demi-bouchée. Puis à nouveau, vous reposez la main, vous reprenez l'inspiration avec l'ujjayi, vous bouchez complètement la narine gauche à moitié la droite et vous expirez par la narine droite à demi-bouchée. Et ainsi de suite, 6 fois de chaque côté. Et ensuite, Annie vous remontrera le premier enchaînement et j'amènerai quelques petites modifications. Très bien. Donc, si vous voulez, vous asseyez. Voilà. Et vous prenez un petit temps d'observation pour déjà observer comment vous vous sentez dans la posture assise. Est-ce que vous sentez la stabilité, de la liberté, des tensions? Ensuite, observez la qualité du souffle. Votre état intérieur, voilà, votre état émotionnel, mais aussi est-ce que votre esprit est calme ou pas, est-ce qu'il y a de l'agitation, beaucoup de pensées parasites ou pas. Voilà, et si vous voulez, donc vous mettez vos doigts en position et vous allez commencer avec Anuloma Ujjayi. Donc vous commencez par inspirer deux narines Ujjayi. Maintenant vous bouchez complètement la narine droite, à moitié la gauche et vous expirez par la narine gauche à demi-bouchée. Voilà, et on entend comme le bruit, comme un petit sifflement tout doux. Puis vous reposez la main, vous inspirez. Ensuite, vous bouchez complètement la narine gauche et vous expirez par la narine droite. Voilà. Et je vous demande simplement d'être dans l'observation du souffle, de l'inspire, de l'expire. Est-ce que vous soufflez plus d'un côté que de l'autre, ainsi de suite. Est-ce que voilà, la respiration est longue ou pas, enfin, tout ce genre de choses-là. Et vous répétez ça encore 5 fois de chaque côté. Voilà. Et je vous rappelle, c'est toujours la main droite qui bouche les narines.
Et puis vous terminerez en expirant par la narine droite quand vous y serez. Quand vous avez terminé, prenez simplement le temps d'observer et de vérifier ce qui est là tout de suite après le pranayama, notamment voilà, au niveau de l'état d'esprit, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, s'il y avait beaucoup de pensées parasites, est-ce que vous sentez un esprit plus calme, moins de pensées? Bien. Maintenant, je vais vous proposer de regarder Annie qui va vous montrer le premier enchaînement que vous avez déjà fait. Donc Annie, si tu veux bien te mettre dans la longueur du tapis, s'il te plaît, et en position à genoux. Voilà, donc à genoux. Alors, si vous pouvez, vous pouvez vous asseoir sur les talons. Mais serrez un petit peu les genoux. C'est bien qu'ils soient écartés, mais pas trop non plus. Donc, soit vous démarrerez, de cette position-là. Si vous avez des problèmes de cheville, si vous pouvez soulever le bassin, voilà, vous partirez comme ça et vous reviendrez dans cette position-là. Et je vais toucher un peu ma remise. Voilà. Bon, alors, si tu veux bien t'asseoir. Bon, donc, en inspirant, bien droit, en inspirant, vous allez donc soulever le bassin en montant les bras par l'avant. Voilà, alors, déjà, vous voyez ce qu'elle fait, quand elle monte, elle donne un petit coup comme ça. Voilà, moi j'aimerais bien que vous sentiez bien l'appui des genoux et des pieds et à partir de là, vous montez tout droit, sans faire ce petit mouvement qu'elle fait comme ça. C'est-à-dire que vous avez le support et que les jambes deviennent un support pour le redressement de la colonne. Ok? Voilà. Donc vas-y. Oui, tu le fais en gros, c'est pas grave. Je ne peux pas faire autrement. Expire, flexion vers l'avant. Très bien. Maintenant, en inspirant, vous redressez le haut du dos, direction tête, vous creusez. Et là, vous voyez, les pieds et les mains doivent rester à la même place. Alors, retournez les orteils. Expire, on garde le haut stable. Bon, chaîne tête en bas. Et on n'avance pas les pieds. On peut plier les genoux, mais on ne bouge pas les pieds. Ça, c'est le chien tête en bas. Dans cette position-là, rentrez bien la tête, vous ferez une respiration profonde. Donc, quand vous inspirez, vous sentez l'appui des mains qui repousse le bassin vers l'arrière. Et en inspirant, vous essayez de bien sentir l'appui des pieds. Inspire, vous redressez le haut du dos. Et vous reposez les genoux au sol. Et avec l'expiration, vous ramenez le bassin sur les talons. Voilà. Et là, vous gardez bien l'appui des pieds, des jambes et des genoux. Et inspire, le haut du dos se redresse d'abord. Les bras, voilà. Il faut que ça bouge. Et en soufflant, soit vous faites que ramener les bras le long du corps, soit vous vous asseyez sur les talons en baissant les bras. Très bien. Et deuxième cycle, inspire à nouveau, montez les bras en soulevant le bassin. Soulève, voilà. En expirant, flexion vers l'avant. Lâche vers l'avant, on s'assoit. Voilà, vous gardez bien l'appui des mains
et inspire, redressez la colonne et avancez-vous jusqu'à faire tomber le bassin au sol. Ouvrez les épaules, pas trop bouger les mains, il vaut mieux reculer un peu les pieds. Restez une statique. Voilà, serrez un peu les jambes. Donc là, vous expirez bas du ventre et inspire. Repoussez des mains, ouvrez. Maintenant, expire bas du ventre, flexion vers l'arrière. Et avec l'inspire, vous remontez le dos et les bras à la verticale. Et en soufflant, vous vous asseyez. Et ou juste vous baissez les bras. Et ça, vous allez alterner les deux trois fois. D'accord? Voilà, donc une fois l'un, une fois l'autre. Ça fait un cycle, le tout trois fois. Donc quand vous voulez, donc vous vous asseyez sur les talons. Ou bien vous restez à genoux, les bras le long du corps. Et avec l'inspiration, vous redressez le dos, ou vous montez simplement les bras. Expire, flexion vers l'avant. Très bien. Et voilà, allongez bien vos bras vers l'avant sans tendre les épaules. Inspirez, redressez le haut du dos, venez vous mettre à quatre pattes. Et laissez tomber la colonne entre les omoplates. Tant que le haut stable, bouge pas. Maintenant, retournez les orteils. Expire, bouge pas le haut. Tirez le bassin vers l'arrière, remplis bien le menton. Restez une respiration statique. Quand vous inspirez, repoussez les mains. Voilà. Et en soufflant, sentez l'appui de l'avant des pieds sur le sol. Très bien. Maintenant, inspire, revenir à quatre pattes en redressant le haut du dos. Expire, ramenez le bassin sur les talons. Gardez l'appui des genoux, des jambes et des pieds. Et à partir de là, inspire, c'est le haut du dos qui bouge d'abord. Redressez le dos, puis les bras suivent. Et en soufflant, soit vous ramenez juste les bras, soit vous ramenez les bras et vous vous asseyez sur les talons. Maintenant, on passe à l'autre formule. Inspire, vous levez les bras. Expire, flexion vers l'avant, bas du ventre. Allongez bien vos bras. Très bien. Maintenant, sans bouger, si possible, ni les pieds ni les bras, inspire, allongez-vous, laissez tomber, ouvrir. Très bien. Restez une statique. Expirez, garde la tête droite. Tête droite, bas du ventre. Inspire, laissez se rapprocher les omoplates derrière. Expire, vous revenez dans la flexion. Inspire, vous redressez en gardant l'appui, genoux, jambes, pieds, le dos. Et en soufflant, vous baissez les bras et vous vous asseyez, si possible pour vous. Là, vous avez fait un cycle. Deuxième cycle. Inspire, vous montez les bras. Expire, flexion vers l'avant. Voilà, les épaules sont relâchées, les bras allongés. Inspire, direction tête, vous venez à quatre pattes. Creusez le dos, va l'arrondir, creusez la tête vers le haut. Retournez les orteils, expirez, chien tête en bas. Pliez un peu les genoux, les genoux, et tirez le bassin vers l'arrière. Allez, inspirez de l'appui des mains. Expire, rentre la tête. Voilà, là. Inspire, vous venez à quatre pattes, creusez le haut du dos. Expire, ramenez le bassin sur les talons. Inspire, remontez le dos et les bras à la verticale. En soufflant, baissez les bras et asseyez-vous si possible. À nouveau, vous inspirez, vous montez les bras. Expire, bas du ventre, flexion vers l'avant. Lâchez la tête, allongez bien les bras. Et maintenant, inspirez, chien tête en haut. Voilà, laissez tomber le ventre, ouvrez, rapprochez les omoplates. Expire profond bas du ventre. Et quand vous inspirez, vous continuez à rapprocher les omoplates. Voilà. Reprendre l'expire bas du ventre. Revenir dans la flexion. Et inspire, vous remontez le dos et les bras. Allez, encore le dernier cycle. Voilà. Laissez les bras, inspire, vous remontez, expire, flexion vers l'avant. Voilà, vous
vous laisse faire un peu seul. Creusez entre les omoplates. Expire, retournez les orteils, chien tête en bas. Restez une respiration. Allez, inspire, repoussez des mains. Et quand vous expirez, sentez l'appui des pieds. Inspire, vous venez à quatre pattes, pas trop vite. Inspire à quatre pattes, voilà, expire. Inspire, on vient à quatre pattes, on creuse le dos. Expire, ramenez le bassin sur les talons. Et inspire, vous remontez. Hein, essayez vraiment de respecter toutes les étapes. Hein, à chaque phase de la respiration, il y a une posture. Ensuite, inspire, vous remontez les bras, le dos. Expire, flexion vers l'avant. Voilà. Inspire, chien tête en haut. Là, vous laissez tomber le ventre au sol. Ouvrez les épaules. Restez une respiration. Expirez dans le bas du ventre. Inspire. Et puis vous reprenez l'expire bas d'abdomen. Et en inspirant, vous remontez tout. Et en expirant, vous ramenez les deux bras le long du corps. Très bien. Quand vous avez fini, eh bien vous venez vous allonger sur le sol. Voilà, mettez-vous à l'aise. On va reculer le tour un petit peu. Voilà. Là, vous laissez tomber tout, vous laissez peser tout votre corps sur le sol. Voilà. Pour l'exercice suivant, je vous propose d'écarter un petit peu plus les pieds, encore un peu. Voilà, vous allez mettre vos pieds droits, c'est-à-dire vous les rentrez un peu vers l'intérieur, et vous allez pointer les orteils vers l'avant, les paumes des mains sur le sol, les bras le long du corps, la nuque allongée. Dans cette position-là, vous commencez par faire une respiration profonde. Vous inspirez. Et vous expirez. Voilà, vous suivez votre expire. Et puis sur l'inspire qui suit, simultanément vous amenez les bras en arrière et vous tirez, vous fléchissez les orteils vers vous. C'est-à-dire vous fléchissez la cheville et les pieds vont venir vers vous. Voilà. Et là, à nouveau, vous restez une respiration. Expire, rentrez le menton. Suivez et inspire. Laissez couler. Et maintenant, sur l'expire, vous simultanément vous baissez les bras et vous pointez les pieds vers le sol. Et vous restez une respiration. Là, vous avez fait déjà un cycle, vous répétez le tout 3 fois. Inspire, ramenez les bras. Tirez les pieds vers vous, restez une respiration. Suivez votre expire, suivez votre inspire. Expire, pointez les pieds, baissez les bras, à nouveau une respiration. Maintenant, de la statique. Et vous répétez le tout encore 2 fois à votre rythme. Une respiration en bas.
Quand vous avez terminé, vous relâchez les pieds, les bras vers l'extérieur, les paumes des mains vers le haut. Voilà. Essayez de sentir. Et si vous voulez bien, je vous propose de regarder à nouveau Annie. Donc, tu vas te mettre à ta jambe. Voilà. Posez le front sur le sol. Voilà. Voilà. Donc, les jambes sont écartées. Occupez un petit peu les mains. Très bien. Et dans cette position-là, comme ça. Dans cette position-là, vous allez commencer par faire une inspiration. Et vous voyez, quand elle inspire, vous ne lâchez pas votre ventre, c'est toute la colonne qui s'ouvre, jusque dans l'arrière des cuisses. Très bien. Maintenant, expire, la tête donne la direction, la colonne se redresse. Voilà, on ne pousse pas, les omoplates descendent. Là, c'est très bien. Et maintenant, en inspirant, vous repliez le genou gauche. Voilà, en gardant le genou au sol. Et là, vous allez faire une respiration statique. Voilà, donc, inspire, expire. On va expirer, inspirer, chercher à s'allonger et gonfler pas le ventre. Et en soufflant, vous reposez la jambe, le buste. Voilà. Vous allez alterner ça deux fois de chaque côté. Et ensuite, je vous guiderai à nouveau et vous ferez la même chose mais en montant les deux genoux et là vous resterez deux respirations statiques. Donc quand vous voulez, installez-vous à plat ventre, fléchissez les bras, les doigts juste sous les épaules, les jambes allongées. Et quand vous voulez, donc vous inspirez sans bouger, en sentant, voilà, expire, direction tête, la colonne se redresse. Vous vous allongez vers l'avant, voilà, poussez pas, très bien, les omoplates se rapprochent, inspire, pliez le genou gauche, voilà, et là vous restez, expire, bas du ventre, c'est comme si le bassin se posait, gardez le poids du bassin, inspirez en sentant l'appui du genou en lien avec le haut de la colonne. Et puis vous soufflez, vous reposez le buste, la jambe, le front sur le sol. Très bien. À nouveau, inspire sans bouger, dans le dos. Le sacrum s'ouvre, le bassin. Expire, direction tête, la colonne se redresse de la colonne. Voilà. Et puis inspire, vous pliez la jambe droite. On change de côté. Et là, vous restez. Expire, bas du ventre, faire descendre le sacrum. Voilà, restez posé. Inspire, genou, haut de la colonne. Vous n'activez pas de ventre, gonflant le ventre. Et en expirant, vous reposez le buste. Très bien. Et vous répétez. Inspire dans la colonne. Expire, direction tête, allongez-vous. C'est bien. Donc on redresse toujours la colonne sur l'expire. Inspire, pliez genou gauche et restez une statique.
Voilà, maintenant du côté droit. Pose les hanches, le bassin. Inspire à tous les genoux. Et maintenant, vous allez faire avec les deux jambes. Donc, toujours une inspire dans la colonne. Expire, direction tête, vous vous redressez. Et avec l'inspiration, vous fléchissez les deux genoux. Voilà. Et vous restez deux respirations. Allez, expire, bas du ventre. Voilà, posez, sentez la butte des jambes et vous inspirez. C'est un peu comme si à l'inspire, les genoux étaient bien plantés. Et encore une respire. Pour que le monde rentre. Et avec l'expiration, vous reposez le front, les jambes, le buste. Et vous venez vous reposer sur le dos. Très bien. Voilà, prenez les mains vers le haut et observez déjà comment vous percevez la relation au sol. Est-ce que, voilà, est-ce que vous sentez des tensions ou pas? Est-ce que vous sentez un meilleur contact, un souffle plus libre, un bassin plus habité? Veillez toujours à ramener légèrement le menton vers le cou. Voilà, de manière à ce que la nuque soit étirée. Sentez bien l'appui de l'arrière de la tête. Et puis, je vais vous proposer de faire une contre-posture. Donc, vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Vous posez une main sur chaque genou. Vous décollez les pieds du sol. Et là, vous allez faire Apanasana 6 fois en essayant progressivement d'allonger un peu votre respiration. Par exemple, vous commencez, mettons, à souffler sur 3 secondes et après, vous passez à 4, à 5 et vous vous arrêtez quand vous avez atteint votre but. Donc vous inspirez, vous éloignez les genoux du buste, vous commencez l'expire d'en bas du ventre et vous ramenez les genoux vers vous en gardant toujours l'appui du sacrum, allongez la nuque et puis vous reprenez l'inspire, vous éloignez les genoux et vous répétez ça encore 5 fois. Et petit à petit, vous ralentissez votre souffle. Et donc le mouvement va se ralentir aussi. On expire au fond qui commence d'en bas d'abdomen.
Quitter la posture, repos. Et donc, si vous voulez bien vous regarder à nu, donc si tu veux bien croiser les jambes, tu restes couché. Voilà, donc pas comme ça, hein, faut croiser en tailleur. Voilà, donc vous voyez, vous croisez, elle a un pied l'un sur l'autre, hein, les pieds ne se touchent pas. Là, vous croisez les doigts, vous tournez les paumes des mains vers l'extérieur. La nuque est allongée. Voilà, et donc le bhavana, ça va être, quand vous inspirez, vous amenez les deux bras en arrière. Voilà. Et là, vous resterez une inspiration profonde. Et quand vous expirez, en même temps, vous continuez à ramener le menton et vous poussez un peu les genoux vers le bas. Vous donnez une direction aux genoux. Là, vous inspirez. Et puis, vous reprenez l'expire. Vous baissez les bras. Voilà. En donnant toujours une direction aux genoux vers le sol. Voilà. Et ça, vous allez faire trois fois avec le pied droit sur le pied gauche, et trois fois avec le pied gauche sur le pied droit. Donc, quand vous voulez, installez-vous. Et voilà, vous commencez l'inspire, essayez de sentir le haut du dos, amenez les deux bras vers l'arrière. Et maintenant, expire. Comme si vous poussiez les genoux, vous donnez une direction aux genoux vers le sol, allongez la nuque. Très bien. Et là, vous gardez. Et quand vous inspirez, amenez votre attention sur le haut de la colonne, derrière. Expire, bas du ventre, et gardez toujours la direction des genoux vers le sol. Encore deux fois. Rester statique à chaque fois, hein, avec les bras derrière. Et puis vous changez le sens des jambes, c'est-à-dire le pied droit va passer sous le pied gauche, sous la jambe gauche, et vous recommencez la même chose. Croisez les doigts, paume des mains tournées vers l'extérieur, inspire, amenez les bras, restez, expire, direction des genoux vers le sol, tirez la nuque. Voilà. Et maintenant, quand vous inspirez, soyez dans le haut de la colonne. Voilà. Et vous reprenez l'expire, direction des genoux, baissez les bras. Encore deux fois. Dernier cycle.
Très bien. Et puis vous refermez les genoux, vous allongez les jambes. Et là, vous vous laissez aller sur le sol. Les paumes des mains vers le haut. Et ensuite, si vous voulez bien, je vous propose de vous redresser et de revenir vous asseoir sur vos coussins, donc chaise, assis sur les genoux, enfin, sur les talons, jambes croisées. Referme un peu tes genoux vers l'intérieur. Voilà. Très bien. Donc le dos droit, et vous allez refaire Anuloma Ujjayi comme tout à l'heure. Très bien, donc vous préparez les doigts de la main droite, c'est toujours la main droite, et là vous commencez par inspirer Dhanarini Ujjayi, en pointant le menton, poussez la nuque par derrière, vous bouchez la narine droite complètement, à moitié la gauche, et là, vous allez essayer de sentir la relation entre la narine gauche et le bas du ventre à gauche. Puis vous reposez la main en inspirant. Vous bouchez complètement la narine gauche et vous expirez par la narine droite à demi bouchée. Et là, vous sentez la relation narine droite, bas du ventre à droite. Et à nouveau, inspire. Vous avez fait déjà une fois de chaque côté, vous répétez 5 fois de chaque côté. Inspire Ujjayi, Dhanarini, bouchée droite, expirez gauche. Voilà. Et sentez le lien, narine gauche, bas du ventre à gauche. Si le nez est un peu bouché, vous soulevez un peu la narine vers le front, hein, pour libérer l'espace. Et à nouveau, inspire. Continuez.
et vous terminerez en expirant par la narine droite quand vous y êtes. Et pendant quelques instants, observez la différence entre le début de la pratique où vous avez commencé assis et la fin. Est-ce que quelque chose est différent dans le corps, dans le souffle, intérieurement? Puis si vous voulez bien, je vous propose de quitter doucement votre assise. Vous pouvez bouger un petit peu. Voilà, nous allons donc nous arrêter là. Alors, Annie, est-ce que tu as vu une différence entre le début, la première fois que tu es assise, le pranayama et la fin, ou pas? Peut-être la stabilité. D'accord. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne pratique et puis une bonne journée.
Et je vous dis à bientôt. Au revoir.